maintenant, parce que l'été est encore là, nous retourner du côté de Willy pour savoir si vraiment l'été sera chaud. Willy, revenez-y. Bonsoir. Ouais, vous avez passé un bon été? Oui. Eh ben tant mieux, dis donc, c'est vrai qu'au niveau de la météo, on a été gâtés, il a fait beau, hein? Fait que le soleil est parti en vacances en même temps que nous, ce salaud. Mais moi, je m'en fous, j'ai pas bougé de Paris. C'était bien, à Paris, on avait de belles journées, hein, t'as vu? Attends, on a eu des journées à 30 degrés, hein? 15 le matin, 15 l'après-midi. Mais à Paris, on s'en fout parce qu'on a un truc génial que vous, vous n'avez pas en province. Ah ah! À Paris, l'été, on a... Paris-Plage! Voilà! T'as Paris-Plage, c'est génial, là, devant la Seine, là, waouh! C'est si bon de se prendre un bon bain de pluie. Ah! Sur cette plage de sable pas fin de 2 mètres carrés où s'entassent 7500 personnes. C'est si bon de se prélasser devant cette eau noire où flottent des cadavres de chats et où une fleur bond une bonne petite odeur de merde. Oh, regarde le glacier qui nous propose la boule à 4,70. Oh ben j'hésite entre ça et une demi-évion à 3,80. En même temps, je ne peux me lever mon transat, c'est le seul. Ah ouais, moi j'adore Paris-Plage, hein. C'est vachement sympa, tu sais. Avec au-dessus les bouchons, tu sais. Ça va? Ouais! Au calme! C'est vrai que Paris-Plage, c'est très reposant. Hein. Alors c'est vrai que la météo, elle était pas terrible, c'était pas très chaud. En revanche, dans l'actu, c'était super chaud. Hein. T'as vu ça? Ça a démarré dès juillet. Le patron de Total, il a dit en juillet, l'essence pas chère, c'est fini! Fini! Total, nous vous viendrez plus chez nous par hasard, et ben on finira par plus aller chez toi, mon coco. Ah ouais, pourtant, t'as vu ça, Total, tout ça, il nous a dit, c'est fini, l'essence pas chère, c'est fini, fini, fini. T'as vu que William et Kate, hein, en début juillet, ils sont partis faire un voyage de noces de luxe aux Seychelles. Moi, c'est toutes les semaines que je fais mon voyage de luxe, hein. Seychelles. Wouh. 80 euros le plein, wouh. Mais il est où le cocktail de bienvenue? C'est vrai que l'été a été très chaud, après qu'il y a eu un tremblement de terre en Corse. Pour une fois que les Corses bougent, c'est bien. Enfin, Dieu merci, rien de comparable avec Fukushima, Patrick, heureusement. Non, non, c'est pas comparable. Là-bas, c'était terrible. Hein. Il y a eu plein de répliques du séisme là-bas, hein. Plein, plein, tout cet été. Hein. Ribéry envisage d'aller là-bas, histoire d'égaliser un peu. Oh. Patrick, arrête! Bon. Non, mais vous l'avez entendu parler, Ribéry, l'autre jour à la télé? Enfin, parler. Du coup, France 2 a eu une bonne idée. Hein. Ils ont l'idée de faire En Terre Inconnue avec Ribéry. Dans une librairie. Ah ah. Terrible, terrible, terrible. Oui. Ah oui, il est... dans l'actu, ça a été très chaud. Hein. Très, très chaud. Hein. Très, très chaud. Hein. Il paraît que le père de Barbie est mort. Oh. Ouais. Bah toutes les jeunes filles ont eu Barbie hein, quand elles étaient petites. T'as eu des Barbie Oui. Marine Le Pen aussi, hein. Elle est la close Barbie, elle. Mais enfin bon, sinon c'est Barbie quand même. Non, alors... Le père de Barbie est mort, mais enfin il nous reste toujours notre Barbie. Victoria de la Roue de la Fortune. Ouh. Bonsoir Christophe. Oups, j'ai oublié de mettre mon culotte. On voit tout mon chat. Pauvre Victoria, dis donc, il paraît que cet été, on lui a cambriolé sa chambre d'hôtel à Saint-Tropez. T'as vu ça? On lui a tout piqué, tout, hein. Tout, 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 tout. On lui a même piqué son gonfleur, oui, parce qu'elle, tous les matins, elle vérifie l'état de ses pneus. Oh, ça va, ne dites pas où, elle le sait bien, elle, bon. La pauvre, dis donc, tu te rends compte? Je sais pas ce qu'ils lui ont piqué, hein, je sais pas. Elle paraît que les cambrioleurs cherchaient sa cervelle, comme elle la porte pas sur elle. Ils se sont dit, bon, elle doit être dans sa chambre, ben non, non, tout. Mais c'est pas grave, si elle a pas d'argent, elle pourra toujours refaire la pub là pour ses canapés là. Canapé Château d'Axe. Seulement 7,997 euros, profitez-en. C'est qu'ils ont l'air pas chers, mais enfin comme on comprend pas le prix, en même temps on s'en fout un petit peu. Ah, tu sais qu'à côté de Saint-Tropez, ils en est passé des trucs cet été. Hein. Tant ils ont même encore braqué un hard discount. T'imagines toi braquer un hard discount? Je me demande bien ce qu'ils ont bien pu paquer dans un hard discount. Attends, le truc le plus cher c'est le caddie, 1 euro. Wouh. Ah, terrible. Non, non, l'été a été chaud, hein, tu sais. 11% des fast-food qui ont été visités par les services d'hygiène ne répondaient pas aux normes. 11%, t'imagines, toi? Tant maintenant, dans les kebabs, t'as mieux fait de payer avec ta carte vitale, hein, directement. C'est, Ah, vaut mieux, hein? Ah, bah oui! Attends!
attends, maintenant là-bas, on te demande plus tomates, salades, oignons, mais diarrhée, colique, maux de tête. Non, je vais essayer votre nouvelle formule, la entrée plat d'essai. Non, mais c'est vrai que les gens vont beaucoup dans les fast-foods. On y va tous dans les fast-foods, bah oui, parce qu'on est tous fauchés. Bah oui, on n'a pas d'argent, donc là-bas, ça coûte pas cher. Moi, je suis pauvre comme vous. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a des riches ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des riches? Est-ce qu'il y a des bouches en cul de poule quand on... Petite bouche en... Petite bouche en... T'es un petit peu là-bas, toi, non? Si. Depuis tout à l'heure, t'es là, tu fais... Oh oui, non, c'est pas drôle. Bon, bah, c'est pas grave. Eh ben, moi, je préfère être pauvre que riche. Parce que quand t'es riche, c'est jamais simple. On te parle jamais normalement. T'as remarqué ça? Même pour casser la croûte, c'est compliqué. Il y a trop de tralala. Drapée de limousine sous paillasson de Trifaldus, accompagnée de sa valse des sorbets à la manière des peintres. Oh! Eh bien, tout ça pour un steak, des patates et une glace à l'eau, tu parles d'un bordel? Non! Attends, nous, au moins, au McDo, c'est rare qu'on nous reçoive en nous disant nuggets de poulet et sa sauce barbecue et son sundae caramel avec son supplément cacahuète. Oh! Excusez-moi. Excusez-moi, le filet aux fiches, il est du jour, mais très certainement, monsieur. Il a été pêché ce matin même, tout pané et tout carré. Bon, ben, je vais me laisser tenter, alors, monsieur a du goût. Attendez, excusez-moi. Et voilà, madame, votre petite frite. Je vous apporte la carte des Coca-Cola dans un instant. Ah bon, bien sûr que tous nos produits sont frais. Ils sortent du congélo. Bien. Mais c'est monsieur qui écoute le Fanta, bien sûr. Non, rassurez-vous, il n'est pas trop riche au palais. Ah ben c'est du 2011, hein, une excellente année. Je vous appelle le pailliste, très certainement. Dimitri, une paille pour la 12. Madame, vous repoudrez le nez, mais très certainement, vous avez le code des boîtières sur votre ticket. Voilà. Eh bien, c'est au fond à gauche. Voilà, la maison vous saute de bonne commodité, madame. Se repoudrer le nez, tu parles, elle va chier, la pute, oui. Pardon. Bon, excusez-moi. Excusez-moi Patrick, je ne suis pas habitué au luxe. Et on n'est pas prêt de s'y habituer au luxe, hein, tant qu'ils continueront à faire des réformes pour privilégier les marchés financiers plutôt que de privilégier de quoi financer notre marché. L'ami Willy Ramelli, que vous pourriez retrouver sur Europe 1. Il est en tournée également, près de chez vous. Il sera, alors notez bien, pour le Bataclan le 3 et le 4 février 2012. Retenez vos places. Pour, et ça me fait vraiment plaisir que ça marche pour toi, ouais, Willy. Merci hein. Alors, donc, c'est très bien. D'ailleurs, je dois vous dire qu'à ce stade de l'émission...